En 2005, l'ouragan Katrina a dévasté la côte du golfe du Mexique, devenant la catastrophe la plus coûteuse de l'histoire des États-Unis. 80% de la Nouvelle-Orléans ont été inondées et plus de 1800 personnes ont perdu la vie. Depuis Katrina et son successeur Rita qui a empiré la situation, la Nouvelle-Orléans a connu d'autres catastrophes majeures, comme les ouragans Gustave et Isaac, la marée noire causée par BP et la Grande Récession, devenant le berceau de la résilience urbaine. Première ville dans le monde à lancer une stratégie de résilience, la Nouvelle-Orléans a fait appel à deux leaders mondiaux. Veolia, expert de la gestion des ressources et des risques, et Swiss Re, expert de l'assurance et de la réassurance, pour l'aider à bâtir un meilleur avenir, un avenir plus robuste. L'eau, l'assainissement et les systèmes d'évacuation des eaux pluviales de la Nouvelle-Orléans ont servi de laboratoire test mondial pour l'évaluation des risques et l'évaluation technique développée par Veolia et Swiss Re. Durant 4 mois, 30 experts issus des deux groupes, en collaboration avec les responsables de la régie publique locale, ont analysé 200 installations liées à l'eau, l'assainissement et l'évacuation des eaux pluviales de la Nouvelle-Orléans, mesurant leur exposition aujourd'hui et en 2050 aux événements météorologiques moyens et extrêmes, principalement les ouragans. Une fois les vulnérabilités identifiées, Veolia et Swiss Re ont modélisé différentes mesures de résilience et calculé leur impact en matière de réduction des risques, y compris les économies de coûts pour la ville et les contribuables, aussi bien en termes d'amélioration de la réponse au choc et au stress qu'en termes d'amélioration du délai de récupération post-événement. Une fois traduit en actions concrètes, y compris un mécanisme pour financer les risques résiduels, cet outil majeur d'aide à la décision permettra à la Nouvelle-Orléans de devenir l'une des villes les plus résistantes et les plus attractives au monde.